Salut les gars. Salut. Allez, bravo. Maraca, Maraca. Bon, je suis passé en 3 heures pile au premier ravito, pile comme il y a 2 ans. Bon, pour l'instant, c'est impeccable, comme prévu. Là, on va arriver au soleil. Il va y avoir, ça commence à ressembler à la belle montagne de Beldon, la Cachard et compagnie. Donc, bon voilà, mais bon, c'est encore très long. Faut gérer et encore gérer. Allez, à ciao. Je crois que c'est Xavier là-haut. Bon, c'était bien Xavier et de la Cachard. Allez, premier petit col. Il doit rester 2 ou 3 après. Un truc du style, je crois, peut-être 4. On m'avait dit qu'il y avait de l'ambiance ici, je suis assez déçu. Lac Robert. C'est ça, hein, ouais. Robert. Ouais. Puis c'était entre Patrick, Bernard et Robert, je ne savais plus trop. Mais c'est Robert. Ah, puis nous on suit, alors faire attention. Ouais. Comment il s'appelle celui-là, le lac? T'as pas regardé la carte? Non. Bonjour. Merci. Le lac, c'est le pas. Lac, Méa. Léama. Léama, voilà, Léama. Je savais qu'il y a du EM, EA, du EA. Ouais. Bon appétit. Le lac Longuet. C'est beau, moyen plus. Alors on va monter par là-haut. Plaisir. Pas mal. Ouais. Chapeau lunettes, il fait chaud, il y a du soleil. J'arrive au deuxième ravito là. Là je viens de repartir du ravito de la Prat, deuxième. Je mange tranquillement en marchant. Bon, je commence à un petit peu mal au bide. Mais bon, là va. Voilà. Donc là on est à 2200 mètres. Altitude, on continue à monter jusqu'à 2900. Voilà. Allez, à ciao. Dans le verrou des Domaines. Et là, le petit lac des Domaines.
lac des Daubenons. Le chapeau moi aussi hein. Allez, on va derrière là-haut arriver au niveau de la grande pente là, ça va piquer, ça va monter sévère. Je sais pas si on voit là. Mais là ça monte dur. Allez, ah, 191 Henri, 191. Là, ça monte dur. Ouais. Ça fait ça. Les rochers rouges. Avec le cimetière là-bas. Je sais pas si on voit. Les randonneurs qui vont presque aussi vite que les coureurs. Avec au moins 15 kg sur le dos. Si c'est pas plus. Pardon ? Ouais, mais bon, le sac, ça pèse. Hein. Pas mal. Là. Juste un peu de cailloux. Ouais. Mais c'est ça qui est bon. La croix obligé le lac blanc. Allez. La montée, dernier effort avant de toucher la croix. Oubliez pas de faire un bisou à la croix hein. Ça porte bonheur. Allez, grosse descente maintenant. C'est plutôt pas mal, hein. Allez, à ciao. On va croiser ceux qui montent sur le névé. Allez, allez, allez. Bon, ça glisse, on va ranger la caméra. Finalement. Col de Fredan. En classique, le glacier. Le glacier, ouais, la croix, non c'est la 4 celle-là, mais ouais c'est celle d'avant, elle n'est pas stabilisée, ouais. Et la croix là-haut, donc une petite moraine, une belle descente bien raide, le torrent, le lac blanc et Jean Collet après, ouais. Petite visite surprise. Et prévisible, le lac blanc, et puis bientôt Jean Collet du coup, voilà, conditions météo de cinéma, une petite brise, voilà, le glacier là-haut toujours, avec le torrent, allez, arrive Jean Collet, troisième ravito, la vallée,
bateau là-bas. Rien. Avec la chartreuse à l'autre côté. Chame chaude. La dent de crawl. Voilà. On va pouvoir refaire le plein des bidons. Philippe toujours derrière. Allez, à tchao. Arrive au col de la mine de fer. Hey copain. Ouais. La brèche de la roche fondue. Voilà. Oh putain, il y a même un évé, super. On va pouvoir mouiller le chapeau, tiens. Allez, go. Cailloulande, le retour. Ouais. C'est clair que là... Oh putain, un chemin. Voilà, un beau chemin. Bien lisse. Ouais, c'est roulant là. Ouais. Pardon, j'arrive à me tromper quand même. Vas-y, vas-y. Pas me refaire à 100%. Bon. Après les fraises de l'UTB, après les framboises du Thor, les myrtilles de l'échappée belle. C'est bon, mangez-en. J'arrive au pas de la coche. Ah, pas de la coche. Qui dit pas de la coche dit descente au quatrième ravito, le Haber d'Aigbel. Ravito léger, et comme Jean-Colet était déjà léger, on va voir ce qu'on va trouver. A priori, c'est que du liquide. Bon, l'autre fois, il y a des petits saucissons. On va voir, au moins d'eau fraîche. Et pouvoir se mouiller la tête, ça pourrait être pas mal. Parce qu'il fait plutôt chaud. Donc voilà. Bon, sinon, petit coup de mou tout à l'heure. J'ai bouffé plein de myrtilles. Donc ça m'a remis un peu de sucre. Donc voilà. Bon, pas les jambes de folie, mais ça avance quoi pour l'instant. Allez, à plus, salut. Je suis parti du Haber d'Aigbel. Restez 10 minutes. J'ai mangé, j'ai bien bu, je me suis palassé la tête sous l'eau. Et là, je suis reparti, donc là, on monte à l'Aigleton. Et là, lac du Vénétier. Voilà, après, on va aller par là-bas pour monter à la fin de l'Aigleton, super méga raide. Donc voilà, donc là, c'est joli. Hein. Là-bas, c'est la croix de Beldonne, là-bas. On est peut-être ce matin, ce midi. Voilà. Orange, je vais mouiller le chapeau encore parce qu'il fait encore un peu chaud. Il se rafraîchit un peu. Allez, à ciao! Dame? Ouais. Dame? Ouais. Genoux? Ok. Ah ouais, d'accord. Ah. Allez. Bon, allez! Allez, cours, c'est bien! Et à plus, salut! De la vache, c'est terminé pour la journée. Ouais. Allez, bravo. Bravo. Ça sera moins casse-pâte. Regarde bien en haut, il y a une petite perdue là en haut. Ouais. La bascule. Ouais. US 139e. Ouais. Allez, bravo. Super. Ouais, merci. Ah, ça y a du bruit là. Ouais. Ouais. 500 mètres, ça monte 400, tu gères. Ouais, je sais. Il y a un torrent en bas au cas où. Ouais, ça, ouais, je vais faire le plein. Ouais. Merci, merci. Ouais. Allez, salut. Dernier gros chantier du jour. Le col de la vache. Donc là, autant dire que c'est balisé. Mais voilà. À quoi ça ressemble. Encore là, c'est presque marqué là, quand même.
là c'est du bon GR, bien lisse, hein. Pas du tout usant, 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 usant. Et on va là-haut, au soleil, Côte de la Vache, avant de redescendre sur le Plainet. Voilà. Bon, encore, j'ai la chance de le passer le jour, ce qui sera pas le cas de tout le monde. L'année dernière, ils l'ont passé sous la neige et le grésil, je crois. Mais rien que le passer de nuit, faut une bonne frontale, quoi. Voilà. Ouais, c'est... un bon sentier. Il faudra quelques années. Et pas mal de passages avant qu'ils soient un peu lissés. Allez, tchou. Ah, faut bien viser. Fin du chantier. Ah. On arrive au col de la Vache. Bonjour. Toujours là, hein? Alors, il est partout. Il fait tout là avec, hein, cette caméra là. Ouais. Je filme un peu. Je filme les stars. Les stars du coin, de Rhône-Alpes. Hein. Ah si, quand même. C'est sûr que... Un torrent qui alimente les lacs des Sept Lots. Ils sont des lacs artificiels avec un barrage là-bas. On distingue le refuge des Sept Lots dans l'ombre. Et voilà. Donc là, cette année, je vais vraiment le passer de jour. Faire même le début de la descente de jour. Mais j'aurai besoin de la frontale avant d'arriver au Plainet quand même. Du coup, j'ai une lunette de soleil. J'ai tout installé. Il n'y aura plus qu'à appuyer sur le bouton. Voilà. Bon, par contre, je traîne une sorte de périostite depuis quasiment le départ ce matin. J'ai pris un Doliprane, ça n'a rien fait du tout. Mais bon, ça ne m'empêche pas d'avancer, mais je suis pas... Je pourrais être plus fluide. Avancer un peu plus vite, mais... Voilà. Hey, ciao. L'eau est assez transparente. Resto pour le repas à la base de vie. Plateau et pas de boulot. J'ai mon pote. Voilà. Ça, ouais, j'étais obligé de m'arrêter déjà deux fois dormir. Ouais, vraiment pas. Ah, mais là, c'est bon, là. Grosse fatigue de fond cette année, et donc du coup. Enfin bon. Comme ça. Ah, mais quand t'es arrivé là, c'est tout bon là maintenant. Y'a plus le plus. Ouais, ouais, j'ai mal au tibia. Mon rétent supérieur, au lever du jour. Ah, il manque une demi-heure, peut-être, ou trois quarts d'heure pour avoir du soleil. Voilà, donc là on est dans les blocs juste avant. Les blocs que, en principe, j'adore, mais là c'est un peu compliqué aujourd'hui. J'ai mon tibia. Pour ce qu'on voit, ça s'améliore pas. L'extérieur, on voit pas grand chose.
mais ça va être vraiment une périostite qui forcément va solliciter le muscle devant, surtout dans les descentes, ça s'aggrave. Donc tant que ça monte et tant que c'est plat, bon, je me dis que vu que la fin est roulante, ça va peut-être aller. À voir si j'arrive jusque là. Allez go, à plus. Bon, je ressors du ravito de Périoul. Bon, toujours le meilleur. Les patates chaudes, des sièges hyper confortables de camping. Les nouilles chinoises avec, ils ont rajouté des pois cassés, des pommes de terre dedans. Enfin bon, le top du top. Du fromage, en veux-tu, en voilà. Voilà, c'est dit. Le meilleur ravito, Périoul. Allez, à ciao. Je repars de Super Collet, la base de vie. Bon, j'ai fait une pause un peu plus longue que prévu parce que voilà, ma périostite. Bon, le tape, ouais, pourquoi pas. On verra. On verra. Vu comment j'ai mal et que l'anti-inflammatoire n'a pas fait effet, on va voir si le petit tape de drainage est efficace. Allez, go. A plus. Bon, l'occasion de faire une pause. Montée au Ferris. Il fait chaud. Et c'est dur quoi. Mais bon, on avance quand même. Belle cascade. À ciao. Voilà. Bah, t'es con de se prendre un coup de corne. Allez, bientôt Valpelouse. Avant-dernier ravito. Allez, go. 1419. Ouais, on n'a pas la musique. Hein. Il y a du monde. Allez, au revoir. Au revoir, bon après-midi. Et ce sera... soleil, donc il va rester 8 km de descente. Waouh! Allez, go! À plus!